Oh, de dormir et manger. Entre dormir, je crois. C'était assez agréable. C'est rare dans la vie où notre seul objectif, c'est dormir et manger. Donc c'est sympa. Ce qui m'a fait le plus plaisir, dormir, mais je dors pas bien. Donc, bon. En fait, avec l'âge, j'ai du mal à récupérer entre les étapes. C'est comme ça. C'est la vieillerie. Faire avec. ouais, j'étais content d'aller. J'ai bu une bière hier soir et je trouvais ça cool. Boire un coup et voilà. La vie est belle quoi. J'ai préféré voir un peu de gens, discuter avec mon sponsor pour qu'il me regonfle un peu le moral. Il est très bon pour ça. Manger, dormir, un peu de tout quoi. Puis retravailler un peu sur mon bateau avec mon frère pour faire ça bien. Dormir, hein, quand même. Manger, c'est pas mal aussi, pas que du Yofal. Il y a un moment que j'ai bien apprécié pendant l'escale, c'est hier soir on est allé dans un très bon restaurant d'ailleurs. Il y avait les kinés, d'autres skippers et on a vachement rigolé, c'était détendu et c'était un bon moment. Ce que j'ai préféré entre les deux étapes, les petits restos entre concurrents, hier soir par exemple, ça permet de refaire la régate, de bien rigoler, de se décontracter un peu. J'avais vraiment besoin de dormir, du coup je peux te dire dormir. Ouais. Revoir les copains parce que moi j'étais tout seul dans l'ouest là et j'avais pas de copains autour de moi. C'est vrai que c'était très agréable de bien manger, surtout dans notre équipe où on est bien entouré pour ça. C'était très agréable de dormir dans un bon lit douillet la journée, le soir, la nuit puis encore cet après-midi. Et puis c'était très agréable de voir les potes, on a une super équipe donc c'est une super ambiance. On va dormir. S'il y en a un à mettre sur le haut de la pile, c'est dormir, clairement. Après, ça fait aussi du bien de manger correctement et aussi du bien de voir du monde, clairement. Voilà.